Tout à l'heure, eh bien, nous accueillerons un... Je suis également au bonus, hein. Difficulté du monde maintenant pour rentrer sur le peloton maillot jaune. Dan Martin qui va perdre un temps précieux. On rappelle qu'il avait gagné l'étape de Mur de Bretagne il y a 48 heures. Il est à maintenant une minute du peloton maillot jaune. Même chose pour Julien Alaphilippe qui était ce matin à la 4e place du classement général, à seulement 8 secondes du maillot jaune. Julien Alaphilippe va perdre le terrain ce soir au terme de cette 8e étape. On revient sur l'avant-garde du peloton qui revient à quelques mètres. Derniers instants de gloire pour Premier Grenier en ce 14 juillet, jour de fête nationale. On rappelle que 14 juillet, il y a eu 29 victoires françaises dans l'histoire du Tour de France. La dernière en date était celle de Warren Barguil. Il y a un an jour pour jour, c'était un froid. On se souvient également des deux victoires de Bernard Thévenet, les deux victoires également de Laurent Jalabert.
Jacques Montil, un 14 juillet sur les routes du Tour. Est-ce qu'un autre Français va tenter de s'imposer tout à l'heure? Si oui, eh bien, est-ce Arnaud Démare, le sprinteur de la région des Hauts-de-France, le coureur de l'Oise, qui sera une chose méritée de la part de Martine et consorts dans ce groupe figure à la fini, Christophe Laporte ou encore le maillot à poids. Voilà les coureurs battus pour le moment, mais ils reviennent, ils sont à 35 secondes, on vous le rappelle, du peloton maillot jaune. Les coureurs qui sont à 5 km de l'arrivée, on rentre dans la métropole d'Amiens maintenant. Amiens qui a accueilli à plusieurs reprises le Tour de France. La dernière fois, c'était en 2015, avec la victoire d'André Greipel, le gorille de Rostock, l'allemand de la formation Lotto Soudal. André Greipel qui est de nouveau dans ce peloton 2018 et qui tentera de doubler la mise tout à l'heure ici dans la cité de la Somme, la cité picarde d'Amiens qui accueille pour la 13e fois de son histoire le Tour de France. On accueille donc le peloton dans maintenant moins de 5 km, 5 km de l'arrivée désormais. Mesdames, messieurs, on va monter en puissance tous ensemble. Est-ce que vous êtes là? Voilà, c'est un bel échauffement, un échauffement grandeur nature pour accueillir les coureurs tout à l'heure. Ils vont se rapprocher de la dernière ligne droite. Ils sont maintenant à 4 km 500. Le panneau des 5 km pour le groupe des retardataires, le groupe des piégés sur chute, dont on rappelle qu'il y a à l'intérieur notamment Dan Martin, le 6e du dernier Tour de France, vainqueur il y a 48 heures sur les routes de Bure de Bretagne. Daniel Martin qui est l'un des grands battus du jour. On retrouve la tête du peloton, c'est maintenant l'équipe d'Arnaud Démare qui se repositionne parmi les premières positions. Arnaud Démare qu'on aperçoit en 4e position. Il est derrière Olivier Legac, il est derrière notamment Jacopo Guarnieri. On retrouve aussi juste devant lui des coureurs comme Ramon Sinkeldam, l'ancien champion des Pays-Bas. On vire sur la gauche, à maintenant moins de 4 km de l'arrivée. Et le peloton qui a perdu beaucoup d'unités tout à l'heure, ils ne sont plus que 70 ou 80 dans ce peloton. On retrouve les images de Daniel Martin qui est tombé tout à l'heure. Il a le cuisson déchiré, le coup de gauche abîmé par la chute. Il est accompagné par ses coéquipiers de l'équipe UAE Abu Dhabi, la formation des Émirats Arabes Unis. Et on retrouve le sourire en coin de Julien Alaphilippe qui était ce matin 4e du général et qui lui aussi va perdre de précieux secondes. Le peloton dans un faux plat descendant à 65 km/h. Il fonde en direction de la cathédrale Notre-Dame, la magnifique cathédrale d'Amiens, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ces superbes images ici, dans cette arrivée de la 8e étape du Tour de France. Le peloton est groupé. Et c'est une explication sprint que nous allons découvrir tout à l'heure. Les trois derniers kilomètres, mesdames, messieurs. Et on tourne sur la droite ici, avec la formation Dixon. Oh là là, on a failli déchausser du côté de Diamond sur une attaque Groot Fryer pour l'un des coéquipiers de Cavendish. Mais heureusement, il a pu se...